une guitare. Je ne joue pas de la guitare classique, je ne joue pas du flamenco, je joue de la guitare sommaire. Je suis professeur de guitare sommaire. Je ne suis pas là pour vous distraire, mais pour instruire. Maintenant, s'il y en a que ça amuse de rire, je peux aussi distraire. Je peux instruire en 10, 13 ans, 13 ans et demi maximum, après je prends ma retraite. Petit cours de guitare sommaire. Une guitare est un instrument en forme de guitare qui comporte 6 cordes. Si l'on partage la guitare en deux par le milieu, ce qui n'est pas à conseiller, on obtient deux moitiés de guitare et 3 cordes d'un côté, 3 cordes de l'autre. Ces 3 cordes du haut s'appellent par conséquent les basses. En guitare classique, en guitare sommaire, on ne les appelle pas, on les ignore. La grosse difficulté de la guitare sommaire est de ne pas toucher à ces cordes du haut qu'on appelle les basses. Pour ce, ne tripotons pas la guitare avec tous les doigts, servons-nous uniquement du pouce, car comme son nom l'indique, pouce, ça ne compte pas, pouce, c'est pour rire. Ah ah, ah ah, assez ri, première leçon. Les deux accords. En guitare sommaire, nous avons deux accords, c'est beaucoup, ce n'est pas trop. Pour effectuer ces deux accords, nous avons la main gauche avec un pouce qui ne compte pas, ah ah, et un index. Avec l'index, nous viendrons appuyer sur les cordes à proximité, c'est-à-dire pas trop loin. Soit sur cette corde-ci, que nous appellerons donc la corde-ci, soit sur cette corde-là, que nous appellerons donc la corde-mi. Et nous obtiendrons les deux accords suivants, bling et blang. C'est très facile, bling, c'est facile, mais il ne faut pas toucher la corde à côté, et blang, comme je l'ai montré tout à l'heure. Exercice pour la prochaine fois sur un cahier propre, 10 lignes de bling et 10 lignes de blang. Merci.